La nuit de l'orientation en direct de la CCI Lyon Métropole, c'est surtout le rendez-vous des entreprises qui rencontrent les jeunes et leurs familles. Avec nous ce soir, j'ai le grand plaisir d'accueillir Isabelle Védrine-André. Bonsoir. Bonsoir. Je le rappelle, vous êtes l'adjointe au directeur régional de l'emploi EDF. Grosse entreprise qui recrute, hein. Je crois que c'est même des recrutements sur plusieurs années qui sont annoncés. Alors, quelles sont vos problématiques de recrutement? Quel métier vous recrutez? En fait, à EDF, on a une multitude de métiers. On recrute surtout sur des métiers de technique, notamment des profils de techniciens niveau Bac plus 2. Ce sont des techniciens, des électrotechniciens, des chaudronniers, des mécaniciens, dans la robinetterie également, et bien d'autres métiers aussi. On recrute également des cadres, des ingénieurs, de prospects, de SI, systèmes d'information, surtout, essentiellement, c'est sur ces métiers-là, mais également sur des métiers plus tertiaires, mais bien sûr, pour une entreprise comme EDF, c'est plutôt les métiers techniques. Alors, vous êtes sur la nuit de l'orientation, ce n'est pas votre première année, hein. Vous êtes très investi sur cette question de la formation et de l'orientation des jeunes. Pour vous, ce soir, c'est quoi votre rôle? C'est quoi votre mission? Notre mission, en fait, pour EDF, c'est de présenter nos métiers à tous ces jeunes qui s'interrogent sur leur avenir. C'est présenter nos métiers, leur donner envie de rejoindre le groupe EDF. Parce que, comme je l'ai dit précédemment, on a plus de 230 métiers. Donc, on a envie qu'ils intègrent le groupe, et donc qu'ils nous connaissent, en fait, qu'ils connaissent EDF et toutes ses filiales. Alors, quel conseil vous donneriez aux jeunes, peut-être en différentes étapes, pour les aider dans cette partie de l'orientation qui est quand même pas simple? C'est quoi votre message, vous, peut-être plus personnel, plus direct? Alors, les conseils que je donne à ces jeunes qui cherchent à s'orienter pour un jour trouver un emploi, c'est d'être dynamique, d'être curieux, d'être innovant. C'est aussi, pour s'ils veulent intégrer le groupe EDF, c'est d'avoir le sens du collectif, le sens du client. Et puis, c'est également, il faut qu'ils aiment relever les défis. Parce qu'EDF, on a beaucoup de défis à relever avec l'ensemble de nos salariés, que ce soit des défis économiques, qu'ils soient sociétaux, qu'ils soient environnementaux. Donc, voilà les conseils que je pourrais donner à tous ces jeunes. Relever les défis pour assurer demain dans un métier de passion, c'est ça un peu? Oui, tout à fait. C'est un métier qui évolue. L'énergie, on la produit, on la distribue, on la commercialise, on la transporte. Mais il faut aussi assurer la transition énergétique. C'est important pour EDF. Donc, on a besoin de relever des défis pour justement faire évoluer nos métiers. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très belle soirée au sein de la CCI et de belles rencontres alors avec les jeunes et leurs familles et peut-être des nouveaux collaborateurs, qui sait. Tout à fait. Je vous remercie également. Merci.